Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon bah on se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui. Il est 8h30 et aujourd'hui ça va être une super bonne journée. Là je viens de prendre mon petit déj comme vous l'avez pu le voir. Et là je prends ma douche, mais d'abord je vais préparer tout mon planning en fait pour cette journée, etc. Là mon mari il vole, il est à Charleroi à Bruxelles. Et du coup il revient à 13h et quelques. Je vais faire le petit planning du jour, je vais prendre ma douche et je reviens vers vous. One hour later. Alors moi pour le make-up, je suis très très simple, je mets du mascara, du concealer, parfois du blush, ça dépend quand je travaille, non parce que j'ai pas envie. Là, je vais pas en mettre non plus, j'ai pas envie. Et je fais aussi mes sourcils vite fait parce qu'ils sont déjà bien visibles, c'est juste les redéfinir correctement. Et donc du coup je commence par le concealer que j'utilise de la marque Shinglam, trop bien, franchement, petit prix, mais petit prix. Je crois que le truc il m'a coûté 2€, même pas, dégoûté parce que je l'ai fini presque, donc je mets... Hop, comme ça, j'allais parler en gros, moi j'allais dire achat. Comme ça, et parce que en fait, pour ceux qui ne savent pas, mon mari, on habite en Roumanie depuis le mois d'août. Ici, alors j'ai un bouton. Jamais de ma vie j'ai des boutons. Rarement quand j'ai mes règles, donc même pas. En fait, non, même pas, j'ai pas de bouton. J'en mets ici aussi parce que j'ai des veines hyper apparentes. J'ai la peau tellement fine. Alors moi, je sais pas comment je serai quand j'aurai 50 ans, mais je pense que je serai pas mal ridée. Hein. J'ai la peau hyper fine. Laisse tomber. En fait c'est juste pour enlever mes cernes que je fais ça. Voilà. Par contre j'ai un bouton. Lui il me fait mal, mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Voilà. Donc ensuite, comme je vous ai dit, je fais mes sourcils. C'est un crayon que j'avais acheté pour mon mariage à la base. Sauf que c'est pas moi qui me suis maquillée en fait. Finalement, dernière minute, c'est Nocibé qui m'a maquillée. Du coup déjà je coiffe mes sourcils. Et franchement ce crayon il est trop bien. Il est trop bien et dommage qu'il n'y ait pas de Nocibé ici. Il y a de tout, en Roumanie il y a même un Douglas, il y a un Douglas, il y a un Notorio, je crois que c'est ça, il y a un Sephora, plusieurs Sephora même, mais il n'y a pas de Nocibé. Nocibé je pense que ça doit être français, par contre Douglas du coup c'est international, je pensais que c'était français. Bon ils sont déjà pas mal fourmillés mes sourcils donc du coup je vais pas en mettre des tonnes. Et troisième étape, avant dernière parce qu'après je mets du baume à lèvres, je mets du mascara. Donc j'avais fini le Sky High qui est trop bien de Maybelline. Et là je suis en train d'utiliser le Lash Paradise de L'Oréal. Mais moins bien parce qu'en fait j'aime pas la brosse, elle est trop grosse. Moi j'aime des petites brosses comme ça, attendez je vais vous montrer. Des petites brosses comme ça, moins fournies et en fait ça n'est pas de paquet. Là le Lash Paradise il est bien mais je mets un 7 sur 10. Et du coup ensuite je mets, alors ça vient pas de Clarence, c'est fait maison, je mets du baume à lèvres que ma belle-mère en fait me l'a fait. Et voilà. Ce passage dans Galate 2, mais il est incroyable, surtout le dernier verset.
J'étais scotchée. Je m'en souvenais plus de ce verset, mais ma mère me le répétait souvent. Mais là, je viens de le lire et ça m'a fait tilt dans ma tête. Et pour toutes les personnes qui vivent encore sous la loi, qui, un peu comme les pharisiens, vous savez, à l'époque, qui étaient vraiment, qui connaissaient la loi par cœur, mais qui n'avaient pas, qui vivaient sous la religion en fait, et pas sous la grâce de Dieu. C'est le moment d'appliquer la parole. Vraiment, là, Paul, ce qu'il a écrit là, c'est puissant. Puissant, puissant, puissant. Je viens de lire la Bible et tout, et j'ai bien sûr la miniature de ma vidéo qui sort aujourd'hui. J'avais complètement oublié de la faire. Et en fait, je me rends compte que sur YouTube Studio, en fait, c'est l'application pour faire les vidéos, etc. là, pour régler les vidéos. Je me suis rendu compte que j'ai même pas fait la description, ni mis les tags, etc. Du coup, je vais faire vite fait maintenant sur l'ordi. En deux spies, ça va prendre 2 secondes. Ah, il est 9h39, ça va, parce que là, je vais regarder le culte en ligne de l'église MLK, que je regarde le dimanche matin. Parce qu'avant ça, parce que là, il est tôt encore. Je vais faire soit mon crumble aux fruits rouges que j'avais dit à mon mari hier soir que j'allais faire, soit je tourne la vidéo que je dois faire pour vous présenter mon église. Je sais pas encore, je vais voir où je fais les deux, ça se trouve, j'aurai carrément le temps de le faire. Du coup, voilà, c'est parti. Ok, c'est bon, la vidéo est préparée. Elle sortira ce soir à 18h, heure française, sur YouTube. Bref, là il commence à faire de plus en plus beau. Je vais tourner la vidéo parce qu'il fait joli. Il fait joli. Il fait beau. Tourner la vidéo où j'annonce ça y est, je suis dans une église. Enfin, j'ai trouvé une église. Et je raconterai aussi un peu mon témoignage de comment ça s'est passé, etc. Parce que c'est un peu extraordinaire. Comme quoi Dieu est extraordinaire. Bref. Je tournais cette vidéo. Du coup, voilà, je viens de faire la vidéo. Je suis trop contente parce que cette vidéo me tenait vraiment, vraiment à cœur. Et là, il est quelle heure? Il est 10h15. Je pense que je vais avoir le temps de faire mon crumble aux fruits rouges. Je vais le faire et après, je vais écouter le culte de MLK. Ah oui, et cet après-midi, avec mon mari, on va aller se promener. Du coup, je vous filmerai tout ça. Je vous filmerai tout ça. On verse les ingrédients secs. La farine. Le sucre. La farine. Bon, bah maintenant c'est l'heure de faire la vaisselle, hein. C'est parti. D'ailleurs, je voulais faire la vaisselle avec le podcast de Léana, mais en fait, je me suis rendu compte que je l'avais déjà écouté sur YouTube, donc voilà. Et en fait, si vous ne saviez pas, Léana Daily, donc qui est une influenceuse chrétienne, voilà, que je recommande à 1000%, a sorti un podcast qui s'appelle Chrysalide sur Spotify, donc je vous invite à vous abonner. Je mettrai le lien en barre d'infos. D'ailleurs, il se pourrait peut-être que je fasse partie des invités, donc voilà. En tout cas, abonnez-vous à cette jeune femme. Trop bien, son podcast trop bien et sa voix super relaxante. De finir de regarder le culte de MLK et c'était trop bien. Ça parlait de suivre Jésus, follow him, et surtout faire attention aussi à, en parallèle aux gens qu'on peut suivre sur les réseaux, parce que bon, ils peuvent parfois s'inventer des vies, donc voilà. Là il est 12h30, mon mari il va bientôt atterrir à Bucarest. J'ai pas faim parce qu'en vrai pendant le culte j'ai faisais une crise d'hypoglycémie à cause du café. Moi que rien, un peu de caféine et c'est bon, je suis dans le mal. Et attendez. Du coup, j'ai fait comme je vous avais montré dans les clips d'avant, mon crumble. En fait, je suis pas convaincue. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. On dirait un peu de la confiture en fait. Et en fait, je sais pas, la pâte, elle a disparu. C'est un peu chaud encore, mais je pense. Enfin, je suis pas convaincue. Je sais pas si ça va être bon. Je sais pas si ça va être mangeable. Du coup, je vais faire le montage de ma vidéo en attendant que mon mari arrive. Je mangerai avec lui. Mais voilà quoi. On va faire le montage de la vidéo qui doit sortir dimanche prochain. Parce que sinon j'aurai pas le temps, vu que mon mari est là et j'utilise son ordinateur et que je travaille à 24. Je dois faire le montage maintenant, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Ça va, c'est rapide. Bref, let's go. Enfin,
j'ai fini de faire le montage de la vidéo. Là, elle est en train de s'exporter. Franchement, ça a été rapide. Hein. Je vais m'envoyer les photos que j'ai fait pour la miniature sur Gmail. Le mari est revenu. Elle était quoi? Mais non. Ouais, j'ai ça. Je suis désolée. Ah oui, t'as du caca. C'est ça, franchement. Bon appétit, merci Seigneur Jésus pour ce repas. Amen. Je viens de voir que j'ai atteint les 2000 abonnés. Vous êtes 2000 abonnés, enfin 2000 personnes à me suivre sur cette chaîne YouTube. Genre, c'est comme si il y avait 2000 personnes qui étaient là, en face de moi, en train de me regarder. Genre, incroyable. Merci Seigneur que tout ce que je puisse faire sur YouTube puisse lui rendre gloire et puisse vous aider à grandir dans votre foi, à booster votre foi. Que tout ce que je dis soit vraiment centré sur la parole de Dieu, soit vraiment centré sur la Bible. Et waouh, je suis reconnaissante. Oh, trop contente. DLF comme DELF. On dirait un œuf, ma tête. Wow, l'église orthodoxe, elle est trop belle. Il y a plein de jolies églises comme ça, orthodoxes à Bucarest, enfin en Roumanie en général. Et elles sont magnifiques. Incroyable. On va aller au papa. On vient d'acheter du kimchi. Il a intérêt à être bon parce que 6 euros quand même. Ah monsieur. C'est moi qui dis ton nom de famille. Ah monsieur. Ouais, je mettrai un bip sonore parce que je viens de dire son nom de famille. Mais en vrai, ton nom de famille est tellement connu qu'au final, est-ce que ça change grand chose? Je sais pas si vous voyez ici. Mais il y a le parlement roumain, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qui est le deuxième parlement le plus grand du monde après le Pentagone. C'est ça, hein? Après le Pentagone, ouais. Après le Pentagone. Pentagone ou Panthéon? Pentagone. Et c'est énorme. Là, on dirait pas, mais c'est impressionnant. On va faire nos courses à Carrefour. Juste pour comparer les prix, sachez qu'ici en France, en Roumanie, la viande, c'est moins cher. Non, bof, t'es pas trop d'accord? Ça dépend. Le bœuf ici, vous trouverez jamais du bœuf 100% bœuf. Ou ce sera très 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 cher. Et tout ce qui est porc, poulet, c'est moindre prix. Let's go! Ça y est, on vient de faire des courses. On n'a pas trop de trop d'amandes. Voilà, bon tant pis. Et on n'a pas trop de coriandre non plus pour monsieur. On rentre à la maison. Là j'ai froid. Il fait 3 degrés, ressenti moins. On est midi 1000. Tout à l'heure, on est allé au magasin coréen. Et on a acheté quelque chose qui s'appelle le kimchi. C'est du chou fermenté. Non, mais c'est pas fini. Hein. C'est du chou fermenté et ça pique. Et Anthony m'a dit qu'il était excellent. Vous pouvez pas sentir, mais ça sent divinement bon. Ça pique ou pas? Oui. Ça va? Non, c'est relevé. J'ai galère. C'est fait maison, je pense. Je sais pas. Il est bon. Il est bon. Ah oui, l'envoie. Là, Anthony est en train de couper des petits morceaux de saumon. C'est pas cuit, c'est le. Sashimi. C'est le sashimi. On mange ça avec de la sauce soja. Moi, je fais une sauce soja salée et lui sucrée avec son palais cassé là.
Vous, vous êtes team quoi? Salé ou sucré? Dites-moi en commentaire. Moi, je salé quoi, la base. Santé. Ah, j'étais radine, j'ai pas mis la cette sauce. C'est comme du beurre. C'est une création divine, le saumon, les gars. Regardez ce que Anthony a fait. Petit bobou de maison. Non mais aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, merci Seigneur. Merci pour le talent de mon mari quoi.